monde, ces accords. Puis aujourd'hui, on se retrouve pour un test spécial puisqu'il s'agit des French Chicha, les cigarettes électroniques de chez French Chicha, donc anciennement Herbal Chicha, qui ont changé de nom. Donc on retrouve 5 parfums disponibles, la pomme glacée, fraise, mangue, raisin et mûre. Je vais commencer tout de suite par la pomme glacée, aléatoirement. Donc on a les mêmes tubes à peu près que les cigarettes Starbuzz, avec la petite étiquette en haut, assez jolie. 0% de nicotine par contre, voilà. Hop, donc elles sont encore plus simples d'utilisation. Elles sont très jolies, regardez, avec le petit dessin French Chicha. On a l'embout, on a un petit diamant au bout, assez spécial. Donc voilà, on a un petit protège qu'on enlève tout simplement. Et il n'y a plus qu'à aspirer et à fumer. Donc la pomme glacée, on commence tout de suite. Donc ça, c'est joli, je trouve, parce qu'on a le petit diamant et la petite bande ici entre les deux parties qui s'allument en bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Donc pour ce qui est de la pomme glacée, je trouve que voilà, c'est, on a un bon petit goût de pomme qui prend assez bien la langue, un peu bonbon aux pommes. Il faut savoir que ces French Chicha sont propulsés donc par la marque Dubaco, qui normalement se trouve dans ce genre de packaging. Vous voyez, ici c'est le pomme glacée justement. J'ai aussi le citron glacé. Donc que je testerai bientôt aussi en parfum de chicha pour comparer. Pour la pomme, ouais, on a un bon petit goût de pomme qui prend bien la bouche, un peu bonbon aux pommes. C'est assez sucré, ça prend bien la langue, moi j'aime bien. Alors on va passer tout de suite au parfum fraise. Hop, j'enlève le petit embout comme pour l'autre et c'est parti. Ben pour faire simple, je trouve que ça a un petit goût de fumée mélangé à des gerbées à la fraise, les petits yaourts pour enfants. J'en mange encore, ben je connais le goût et franchement, je trouve que c'est très ressemblant. Par contre, c'est pas très sucré, on a un peu le goût de fumée qui fait que c'est pas beaucoup prononcé, ça prend pas beaucoup la langue, mais c'est agréable à fumer quand même. Et on continue avec le parfum à raisin. C'est parti, hein. Franchement elles sont super jolies quand même, j'aime beaucoup le look, ça fait très sobre, très classe. Alors c'est un parfum raisin qu'on pourrait comparer à YF raisin en fait, qui a un peu ce goût fort de cassis. On sent légèrement le raisin, un peu vin et fort de cassis. Mais celle-ci a quand même pas mal de goût, elle est bien sucrée. J'aime bien le raisin, j'aime bien. Et maintenant on passe à la menthe, la tête est devenue jaune, yes, la classe. Ben, je trouve qu'on a une belle reproduction de la mangue. J'ai limite l'impression de fumer du Starbuzz Mango, justement, qui est bien sucré quand même. Là, ça prend bien la langue. Le mangue, il est très bon. Ouais, il est vraiment très très bon, le parfum mangue. Fruit bien reproduit. Juste ce que je peux reprocher à ces French Chicha pour le moment, c'est qu'il manque un poilou de fumée en plus. Je trouve que ça dégage pas assez de fumée. On n'a pas vraiment l'impression de fumer grand chose. Et donc la dernière, nous y voilà, c'est le parfum mûr. Je les ai goûtés avant de faire ce test bien sûr, et je l'ai laissé en dernière parce que c'est celle qui pose problème. Franchement, voilà, j'aime pas du tout parce que... elle a un goût un peu d'essence, je trouve.
On pourrait sentir le fruit de la mûre, on va dire, mais ça a été mal reproduit et du coup ça donne un goût étrange, un peu essence, gasoil. C'est vrai que celle-ci est assez désagréable à fumer, c'est dommage. Sinon, dans l'ensemble, je suis quand même assez satisfait. Il y a des goûts plus ou moins prononcés, mais bon, ça c'est toujours agréable à fumer, sauf celle-ci à la mûre que j'aime pas du tout. Et puis voilà, franchement, c'est quand même un bon produit. Et du coup, je suis assez curieux de le tester en parfum à chicha, voir ce que ça donne et au cas où en recommander pour plus tard. C'est un tabac qui est assez connu en Allemagne apparemment. Et voilà, donc ce test est désormais terminé. C'était les French Chicha. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner ainsi qu'à lire la description. Ça se passe tout en dessous de la vidéo. Il y aura des infos utiles, mon Facebook, vous pouvez m'ajouter, il n'y a pas de souci, j'accepte tout le monde. Si vous avez des questions, je suis là pour vous. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau test. Peace et à la prochaine!